Hey guys! Là, je me respecte plus. J'ai raté grand chose ou pas? T'as pas raté grand chose? Everybody's been saying that you're up to no good. But now I am telling you, I'm going to smile. Lucky, lucky, lucky me. Ma chambre est clean. Une patate douce, c'est la vie. Petit retournement de situation. Finalement, en fait, on va aller f'tor chez mes parents. Et chez ma maman. Oui, je viens. Il y a Zoro qui va débarquer. Un cavalier qui surgit lors de la nuit. Si vous avez compris, c'est quoi Zoro? Mettez un cœur rouge, tiens. C'est déjà la fin de la journée, les amis. Je vous retrouve pour le petit déj, guys. Hey guys, je dois admettre que là c'est compliqué. Je suis vraiment rincée. Et voilà, pour tout vous dire, j'aime pas me remplir le ventre au point de me sentir très mal. Je mange juste un Belvita avec ce petit verre de jus frais parce que ça me fait grave du bien. Et puis après, je bois de l'eau si j'ai soif. Mais en règle générale, c'est vrai que le café, ça me... Le matin, c'est... Enfin, en tout cas, à 4h du matin, je trouve ça un peu trop acide. Surtout que j'ai besoin de redormir parce qu'il est 4h. Café, non merci. Je vous retrouve aujourd'hui. On est... Quelle jour on est? On est mercredi 8 et c'est un jour férié. Je me suis réveillée donc vers les coups d'11h. Oui, à 11h, on ne rêvait pas. Ce matin, j'ai dormi, il était quoi, 5h30, 6h. J'ai fait un peu de lecture et puis je suis allée me coucher. Et puis j'ai découvert que Zoro est passé. Et oui, pour ceux qui l'auront compris ou pas, voilà quoi, Zoro, c'est l'ami de toutes les femmes qui passent une fois par mois et qui nous traumatisent. J'ai bu pour casser parce qu'il faut pas garder son jeûne quand on est indisposé. Je vais quand même rompre en même temps que Sam, etc. pour garder le rythme et ne pas prendre de mauvaises habitudes. Je m'apprête à aller en rendez-vous, ce qui fait que je vais me préparer tout de suite. Étant donné que j'ai rendez-vous à 14h30 et qu'il est 14h. Donc let's go guys, je vous embarque avec moi pour cette nouvelle journée en espérant que votre jeûne se soit bien passé étant donné que je publie ce vlog à l'approche du f'tor, donc à la rupture du jeûne. Je crois qu'en plus je vous publie ce vlog quand ce sera au 5e jour. Ouais, 5e jour déjà, c'est incroyable, on est presque à une semaine les amis, vous avez vu comment ça passe vite. Bon allez guys, je vais me saper, je vous retrouve tout de suite. Juste un peu rafraîchi mon teint parce que quand j'ai un rendez-vous je préfère quand même avoir bonne mine. J'ai mis ce t-shirt que j'aime beaucoup, ce jean taille haute de chez H&M il me semble, mais que j'ai beaucoup troué, mais c'est pas grave hein. Je pense que je vais mettre des baskets ou des bottines avec une veste. Let's go, je vous embarque avec moi. See you. Une vraie tempête, c'est incroyable. Est-ce que je suis réveillée parce que là je fais mon créneau. Je vous retrouve les amis une fois que j'arrive. Bon, j'ai fini mon rendez-vous. Là j'attends une mariée parce que du coup je vais remettre un album. Hop là. Et j'étais sous la tempête pour arriver au rendez-vous. Je vous cache pas que c'était une mission. J'étais en panique parce qu'il y avait tellement d'eau là dans la route. Je vous retrouve à la maison. Je vais attendre la mariée. Je vous dis à tout de suite. Je suis bien rentrée à la casa. Et là il y a un beau soleil. Ça fait vraiment plaisir parce qu'après la pluie, le beau temps. Je vais aller monter le vlog parce que j'ai pas eu le temps de vous le monter avec les rendez-vous. C'était top. Et du coup j'ai retrouvé Elias qui était content. Il fait pas la sieste hein. Bon les amis, je viens de terminer de vous monter le vlog d'aujourd'hui. Il est à 3% et regardez les quelle heure. Il est 19h15. Je suis censée vous le mettre à 20h. Vive la fibre. Ça paye sa sieste? Ouais, des minutes. Bon, j'ai un peu plus la pêche que Sam. You know why? Because Zoro est passé par là. Tu mets la musique. T'es le roi du monde? Le roi du pétrole. Il y a juste à refaire recuire les patates douces et puis.
on est bon quoi. Vas-y, on fait un peu de poulet en même temps ou non, on mange déjà. Ah non, on mange déjà les merguez. Franchement, la tempête sur la route, c'était chaud. Hein. Ouais, c'était vraiment chaud. Oh là là, la chambre d'Elias, c'est toujours un chantier de bataille. C'est incroyable. Demain, je vais m'en occuper pour commencer à faire le room tour. Elias est dans le bain. C'est toujours une sacrée mission quand Elias est dans le bain parce qu'il déteste en fait en sortir. Donc du coup, on est obligé de laisser vraiment jouer une bonne demi-heure pour qu'il profite et qu'on puisse le laver. Je vois qu'il y en a qui se la coulent douce. L'une des meilleures séries, bien sûr. La vie de famille aussi, c'était pas mal. Ça a été ta petite journée? T'es content? Ouais, j'aurais bien voulu aller faire du sport, mais j'ai pas le temps. Je vais essayer d'y aller demain. D'accord, très bien. Moi, je vais bosser ce soir parce que je vais m'avancer sur 2-3 trucs que j'ai à faire, que je devais terminer, mais en soi, rien d'extraordinaire. Et puis, bah, je vous retrouve pour le toit. Qui c'est qui va manger des bonnes petites fraises? Non, il n'y a pas. Tu veux pas des fraises? Regarde. Arrête de faire. Où t'as appris ça? Ah non. Toi, tout ce qu'il apprend, c'est à l'école. Ça, c'est la raison pour laquelle on pourra jamais avoir un canapé blanc, je crois. J'aimerais bien avoir un petit canapé blanc. Et j'ai trouvé des housses sur un site, c'est pas Ikea, mais bon, on va tester peut-être hein, pour voir ce que ça donne. Tu tiens le coup là avant. Tranquille. Le breakdown. Breakdown. Il est l'heure de manger. Je vois qu'il y en a qui se la jouent perso là. L'assiette est loin là-bas. Bon bah repas du soir, bonsoir. On est des Américains nous. On va manger hein. Hey guys, je vous retrouve. Donc on a bien graille. Là on est posé. On va regarder Grey's Anatomy. Je voulais faire un petit aparté là parce que je suis un peu choquée de ce que je viens de vivre. Je ne sais pas quel est votre opérateur mobile. Pour ma part, j'étais chez Free pendant un an, il me semble, et je payais genre l'offre à 9 euros, les 100 gigas, bref, c'était un peu de la carotte. Avant, on payait combien ? 1 euro. C'était un peu de la carotte parce que Internet, c'était un peu pourri. Donc, l'offre, elle est terminée, ils m'ont prélevé 20 euros, donc autant vous dire que j'ai changé tout de suite. Et j'ai opté pour l'abonnement de chez Bouygues. Sauf que Bouygues, excusez-moi, mais ça, c'est un truc de ouf ce que je viens d'apprendre. Donc j'ai 40 gigas pour 10 euros aussi, 9 euros quelque chose. Et ce que je savais pas, c'est qu'au-delà des 40 gigas, en fait, ils te facturent le MO à 0,01 centime. Alors je m'en fous du 0,01 centime, mais c'est dans le principe. Si j'ai dépassé mes gigas, bloquez-moi, mais me facturez pas quoi. Donc je ne suis pas d'accord du tout. Et ça fait même pas 10 jours que je suis chez eux, que déjà j'ai changé d'abonnement là tout de suite. Pour un abonnement à vie à 10 euros, oui, c'est important. Franchement, payer 20 euros un abonnement alors que déjà j'appelle jamais, déjà, moi je suis plus team SMS, hein. Et de deux, je suis toujours chez moi à utiliser mon Wi-Fi. Donc je comprends pas comment j'ai pu utiliser 40 gigas en 10 jours. Ça me choque ça. 40 gigas en 10 jours. T'as déjà vu ça? Bah, tu consommes, hein. Ça me choque. Bref, voili voilou. Là, on va regarder ce petit épisode. Elias est parti se coucher. Nous, on est posés, c'est vraiment le moment de la journée le plus pisse, quoi. C'est le moment... c'est le moment d'être... Je pense que c'est moi qui vais déposer Elias demain, hein, je suppose. Ce serait bien. On se retrouve plus tard dans la soirée. Bientôt 1h du mat. Pour ma part, je ne vais pas me réveiller à 4h. Mais je vais déposer Elias. Est-ce que tu le vis bien? J'attends de voir. J'oserais quand même pas, tu vois.
Donc là, je vais en profiter pour dormir et demain, je vais rester réveillée à 7h pour vous monter le vlog, bosser un peu et tout pendant que ça me fait sa petite grasse mat. Si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à me suivre au nom de Louderc, hein, je vous mets ici. Et il est juste en dessous, au cas où, n'hésitez pas à checker. Je vous avais demandé de me poser vos questions par rapport à mon activité. Donc je pense que je vais vous faire la vidéo demain, histoire de vous la publier aussi dans les prochains jours. De toute manière, je vous retrouve demain, guys. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires sur les précédentes vidéos. Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur de savoir que bah, vous appréciez ces vidéos, ces Ramadaily, ce format. Et surtout que vous êtes présents depuis, bah, pour la plupart, le premier Ramadaily. Donc c'était en 2017 au cas où, c'est pour ça qu'en fait c'est la troisième fois qu'on réalise les Ramadaily. Mais ça fait 2 ans que du coup on vlogue tous les jours. Et je crois qu'on a été les premiers à vlogger tous les jours pendant le Ramadan. C'est ça qui est fun. On n'est pas à la base de ce format. Mais on va dire qu'en France, on a été les premiers à vlogger tous les jours pendant le Ramadan quoi. Et ça fait plaisir d'avoir cet honneur. Et pour ce petit moment convivial. Wali Walouf. Je vous remercie encore une fois. Je vous retrouve demain. Et je vous le dis pas, c'est vrai, mais si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratos, ça fait plaisir. Et surtout, good vibes. On lit. Bon courage.